Carlo Ancelotti, entraîneur équipe Real de Madrid, t'est présenté devant la presse à la veille gros bout de tonton derby ça qui pourra jouer dans le cadre 8e de finale Coupe du Roi. Entraîneur italien qui déjà remporté 11 titres avec Real de Madrid, parlait en pile causé dans micro la presse jeudi. Les mêmes dit c'est un match qui pourrait être très très compliqué pour Real de Madrid. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme Filioca. Toujours un plaisir pour nous porter pour une nouvelle vidéo. Un gros salutation à tout le monde qui est toujours présent sur Filioca. Qu'elle était sur Facebook, qu'elle était sur YouTube. Nous saluons Donna Capcouten Chili. Nous saluons Woody Capcouten République Dominicaine. Nous saluons tout le monde qui brèche dans la diaspora aux États-Unis, la France, Canada. République Dominicaine, Chili et Brésil et tout le monde qui a écouté dans le continent africain. Nous voyons une salutation spéciale à tout le monde qui a écouté nous dans le pays d'Haïti. Pas négliger maintenant dans les commentaires, comme ça nous capable de saluer chaque fois que nous faisons vidéo. Voilà, j'ai qu'un te dit en titre, eh bien, Real de Madrid a gagné pour affronter Atlético de Madrid dans le cadre de la finale Coupe du Roi pour la saison 2023-2024. Après que Atlético de Madrid les fin tombé 5-3. Dans le cadre demi-finale Supercoupe d'Espagne qui est faite en Arabie Saoudite. Puis, dans quelques 8 jours, là, Real de Madrid les poils déplacés pour aller à la CAI Atlético de Madrid pour la jouer 8e de finale. Ça. Et bien, dans ce sens, il y a Carlo Ancelotti qui est entraîneur équipe Real de Madrid là, qui était présent dans la conférence de presse pour aller rapporter tout ça Carlo Ancelotti lui-même lui était dit. Il a demandé Carlo Ancelotti qui s'est pensé de match demain. Eh bien, Ancelotti dit c'est pour aller un match très très compliqué. Donc, c'est parce que Atlético de Madrid c'est un adversaire qui t'a déjà montré dans la Supercoupe d'Espagne et c'est un match qui pourra très très équilibré. Et nous attendons avec un match qui pourra plus compliqué que ça ne t'a joué dans la Supercoupe d'Espagne. Donc, il y a à domicile et il y a comment pour dégager très très bien. Donc, c'est comme ça Ancelotti lui-même il t'a parlé de match demain. Je te pose des questions sur Rodrigo. Italien répond pour dire que Rodrigo il était besoin d'une journée en plus de faible intensité. Et demain, il est capable présent avec nous. Rodrigo l'a disponible pour le capable jouer match football si là. Bien puisque Real de Madrid les de jouer deux gros matchs, une contre ATM, une contre Barcelone. Un journaliste l'a été obligé de demander Carlo Ancelotti. Est-ce que a bien rotation dans le groupe là? Ancelotti répond pour dire que je vais mettre en place la meilleure équipe possible pendant que je tenu compte de fatigue. Puisque c'est un derby, je t'ai parlé Ancelotti sous le passio. Donc est-ce que Atlético de Madrid lui-même a fait un geste pour le capable saluer le titre que Real de Madrid lui-même lui souhaite remporter? Ancelotti répond pour dire que moi respecter décision club yo. Si que yo fait tant mieux, mais si que pas fait tant pis parce que moins pas bail ça importance. J'ai posé Carlo Ancelotti question sous condition physique équipe là. Ancelotti répond pour dire que nous gagne en pile blessé, effectif là li au grand complet, intensité à l'entraînement li vraiment bon et gagne en pile concurrence grâce à tout ça yo, condition physique équipe là li vraiment aux conditions. Je t'ai posé coach la question sous Brahim Diaz. Il répond pour dire que lui vini après yon anil te passé dans l'équipe Milan avec plus de reconnaissance tactique, vini avec yon condition physique qui est normale et li très puissant. Li distingue en pile dans espace restreint yo, li très très important défensivement, li travaille du en pile et ceci dans quel que soit poste ou ta mettez sous terrain, li aide nous en pile et c'est un joueur qui est très très complet. C'est comme ça, Ancelotti lui-même a parlé de Brahim Diaz. Il a posé la question sur traumatise pour Atlético de Madrid. Il dit que match là, il est poil différent. En simple, c'est parce que tout le monde dit différent. Pas un match de championnat. Donc, capable de gagner prolongation, capable de gagner penalty. Un match complètement différent. Eh bien, il a poser la question tout concernant la position que Valverde lui-même l'a joué. Ancelotti répond pour dire que Valverde dit ça, il n'a pas remis côté l'a joué. Et moi-même aussi, je ne pas trop remis. Mais l'important, c'est que Valverde joue et il est indispensable pour l'équipe. J'ai posé Carlo Ancelotti question sur l'intensité que le match football ça lui-même va gagner. Il répond pour dire
Nous pensons que nous allons jouer contre un adversaire qui est très très fort. On connaît bien ce bral plus difficile que Super Coupe d'Espagne parce que c'est un autre match. Quand même, deux équipes qui sont capables de gagner Copa del Rey. Là. Non seulement ça, un match avec élimination directe. Donc nous allons nous concentrer sur ça. Nous allons faire de notre mieux pour nous capables de gagner match football. Là. Pour nous passer pour nous jouer quart de finale. Je t'ai parlé tout de jeunes stars brésiliens. Eh bien, Carlo Ancelotti dit que moi, t'es plus quand même salté dit après le défi fait 3 goals là que 3 goals lui t'es marqué. Donc, Carlo Ancelotti l'a exagéré net. Donc, c'est un peu conférence de presse que Carlo Ancelotti lui-même l'étape bail la veille gros bout de Toto Derby ça entre Atlético de Madrid et Real de Madrid. Bien, Real, demain, c'est Real très très compliqué. Là, on connaît que Real, il s'est joué deux gros bout de Toto match, je ne dis là. Atlético de Madrid, ou à la prolongation avec ou jouer contre Barcelone, même les Barcelone c'était un peu plus facile, mais c'est quand même Barcelone, donc Real li gagne obligation pour le capable gagner demain parce que c'est un match à élimination directe, donc possibilité pour Real de Madrid aller encore dans prolongation et Real de Madrid l'a bien pour le jouer dans jouk ap vini ou là dans championnat d'Espagne, donc c'est quand même très très compliqué pour le Real de Madrid. Eh bien, on a bilan sous 20 derniers matchs que l'équipe ça même yo joué ensemble. On a parlé de Atlético de Madrid et Real de Madrid. Sous 20 derniers matchs, là, c'est 9 victoires pour Real de Madrid, 6 matchs nuls et 5 victoires pour Atlético de Madrid. Sous 3 derniers matchs, ils ont fait 1-1. Real de Madrid était tombé 3-1 la caille Atlético de Madrid. Donc, dans ce stade, ça a que Real lui-même lui prend les deux meilleurs. Et puis, gagne Real de Madrid qui souhaite passer Atlético de Madrid. Goal à 1 après prolongation. Il était capable, eh bien, aller jouer finale contre FC Barcelone. Finale qui a été gagné 4 goals à 1. Eh bien, on a rappelé que jeudi, hein, gagne Mesdames Barcelone qui passe Real 4-0. Mesdames qui fâché pour ça que Vinicius lui-même, surtout, lui fait Barcelone. Non? Pour ça que Real de Madrid fait Barcelone dans finale. Non? Yo corrigé Real de Madrid, c'était la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc, mesdames, yo vraiment fâché. Real de Madrid qui a passé un mauvais moment en bas main Barcelone dans le football féminin. Si dans le football garçon, c'est Real qui a mené, mais dans le football féminin, Barcelone, c'est ça oublié, les papes fait, eh bien, équipe Real de Madrid. Donc voilà. Merci tout le monde pour fidélité et attention. Merci parce que vous pouvez partager la vidéo ça. Merci parce que vous mettez un like et merci parce que vous toujours faites commentaire pour dire nous qui ça vous pensez. Donc, après congé de vous, rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle vidéo.